Bienvenue à tous, bienvenue chez vous. C'est l'été vu d'ici. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Nous allons ensemble continuer à voyager en France et dans nos belles régions et découvrir les événements qui en font l'actualité. Vers 1h15, je vous emmène dans le village de Mossette, dans les Pyrénées-Orientales, pour vivre une belle aventure humaine, vous allez le voir, et artistique en plus, qui associe les gens du village et des pros du spectacle. Et vous allez le constater, c'est vraiment impressionnant. Nous sommes maintenant dans le village de Mossette, dans les Pyrénées-Orientales, entre Fonds, Romeux et Perpignan, pour découvrir une création artistique originale, et peu commune d'ailleurs, et c'est avec vous Sébastien Giraud que nous allons en parler. Absolument. Bonjour Sébastien. Bonjour, adieu, comme on dit chez nous au pays catalan. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Alors dites-moi, il paraît que vous, le spectacle, vous l'avez vu. Et pour l'occasion, je crois que vous avez pas mal apprécié quand même. Hein. Un superbe moment, Kenza, ouais, surtout pareil, de la seconde partie, vraiment éblouissante. C'est drôle, c'est à la fois joué et chanté, c'est véritablement de l'opéra. Et alors, au niveau des voix, j'ai quasiment craqué pour la soliste Eurydice. Mais bon, c'est presque une autre histoire, ça. Bon, disons, Sébastien, vous n'êtes pas tout seul, là, vous êtes accompagné, non, je crois. Effectivement. Je suis avec Olivier Bétoin, président d'Opéra Mossette. Bonjour, bonjour Olivier. Bonjour. En cœur, s'il vous plaît. Bah oui. Ben nous aussi, on fait ça. Nous aussi, on sait faire ça. Opéra Mossette. Vous propose Orphée et Orphée, un mélange de genres, un spectacle en deux temps, deux styles, mi-sombre, mi-comique. Mais avant de zoomer sur le résultat pratique de cette nouvelle création, on parle du concept ensemble. Opéra Mossette, ce sont des pros mais aussi des artistes amateurs, les habitants du village de Mossette. Comment motiver les troupes? Parce que s'improviser artiste, Olivier, quand on est venu chercher le calme dans un village, c'est pas toujours évident, n'est-ce pas? Oui, alors l'avantage de l'opéra, c'est que on peut être artiste, mais on peut être aussi technicien. Hein. On a besoin, quand on fait de l'opéra, de faire des costumes, faire des décors, faire de la lumière, du son. Donc voilà, tout le monde y trouve son compte. Le concept d'Opéra Mossette, c'est surtout de pas mettre de barrières. Tout le monde doit trouver sa place. On est un grand chanteur, on est un bon chanteur, mais on peut s'améliorer. Comme tout le monde, pour tout. Et ça dure depuis 7 ans. Et ça dure depuis 7 ans. Et depuis 7 ans, beaucoup de gens du chœur d'Opéra Mossette viennent une fois par semaine, le samedi ou le dimanche, un après-midi, travailler avec des professionnels. C'est la magie de cette association. Mais Olivier Bétoin, comment vous pourriez nous présenter justement Mossette en quelques mots? Quel en est le panorama? Alors Mossette, c'est un petit village rural, oui, à 600-700 mètres d'altitude. Qui a longtemps été un village frontière, vous savez, pendant très longtemps la limite entre la France et l'Espagne était assez mouvante. C'était par là quoi finalement, oui. Donc c'est un village qui a toujours accueilli beaucoup de monde. Et aujourd'hui, on a à peu près 14 nationalités différentes. Ah oui, quand même. Voilà. C'est un village avec plutôt une population jeune, contrairement à l'image qu'on a des villages ruraux. On a bien sûr une majorité d'agriculteurs, principalement de l'élevage. Et des Hollandais, c'est vrai, c'est une légende. Ah oui, ou pas? Ils sont très présents, hein, je crois. On a des Hollandais, mais on n'a pas que des Hollandais. On en a 14 nationalités différentes. Alors c'est vrai que le premier étranger, entre guillemets, nouveau, il y a 40 ans, était un Hollandais. Mais maintenant, on a des Anglais. C'est comme ça aussi que ça a commencé, grâce aux Hollandais, cette aventure d'Opéra Mossette. Alors, Opéra Mossette a commencé depuis une bonne quinzaine d'années. On a un artiste hollandais, Albert Haydn, qui est le père d'Opéra Mossette, qui a une histoire en Hollande importante autour de l'opéra. Il a été directeur d'un opéra pour enfants et est venu à Mossette. Il avait arrêté complètement cette activité-là. Il est artiste peintre. Et un peu en reconnaissance, en remerciement à ce que Mossette l'a accueilli, comment elle a été accueillie, il s'est dit pourquoi on ne pourrait pas faire quelque chose à l'opéra à Mossette. Et donc la rencontre un peu entre Albert Haydn et un compositeur a fait que le premier spectacle a pu commencer. Et c'était en 2002, depuis Opéra Mossette a grandi. Mais avant d'aborder justement le spectacle qui nous occupe ces temps-ci à Mossette, Orphée et Orphée, pourquoi Opéra Mossette? Pourquoi pas Rock Mossette ou Chanson Mossette? Parce que ça peut paraître difficile d'accès à l'opéra, en deux mots. Alors c'est vrai que ça peut être difficile, mais je crois que notre réussite, c'est qu'on a réussi à ce que soit accessible à tous, parce qu'on accepte tout le monde et qu'on fait des spectacles relativement courts, hein, deux heures maximum. C'est le secret, l'accessibilité. L'accessibilité à tous. Bon, on parle en tout cas du spectacle de ces temps-ci, Kenza, dans un instant. Oui, ensemble. Bien sûr, on fait une petite pause et on va bien sûr continuer à parler de l'Opéra Mossette et des moments forts de cet événement. À tout de suite.
Et si vous venez de nous rejoindre, eh bien, nous sommes dans le village de Mossette pour continuer à parler de l'opéra Mossette en votre compagnie, Olivier Bétoin, président de cet opéra justement, et avec vous, Sébastien Giraud. Oui, absolument. Et comme promis, nous zoomons sur ce spectacle, cuvée 2009 avec l'ombre et la lumière, avec le solennel et le drôle, Orphée de Gluck et Orphée de Offenbach, le mélange Olivier Bétoin. Olivier, la version de Gluck est très solennelle, en clair, on ne rigole pas, c'est de l'amour, pas drôle, l'histoire en quelques mots. Mais, oui, l'histoire est en effet pas très drôle, parce que c'est tiré de la mythologie. Hein, puisque on a Orphée qui veut retrouver son Eurydice qui est en enfer et il peut la retrouver, mais s'il la regarde, il la perd. Et donc tout le jeu est là-dedans. Alors maintenant, c'est en même temps un très très beau morceau. Il y a des magnifiques chants, des solistes. Il y a une très très belle musique. Voilà. Et en contre et en parallèle, on a mis en effet une version beaucoup plus légère d'Offenbach, beaucoup plus légère, beaucoup plus visuelle aussi. Parce que bon, là, on parle à la radio, mais Faut voir hein, si vous avez l'occasion. Ça, vous avez la chance de voir. C'est vrai. Et j'aimais en plus, vous voyez. Mais Olivier, pourquoi commencer par le triste? Vous avez pas peur que le spectateur attende la suite avec beaucoup beaucoup d'impatience? Alors, on s'est longtemps posé la question, mais je pense qu'on aurait fait le contraire. On nous aurait aussi posé la question, pourquoi commencer avec ce qui est très visuel. Oh, ils sont jamais contents. Et finir par ce qui est très solennel. C'est donc ça, en fait. Ouais. Et la suite, justement, Olivier, changement radical de style. Là, on passe à un spectacle beaucoup plus léger, avec un Orphée un peu coquin, voire même criminel. Oui, c'est sans tout dévoiler, ça se passe dans l'enfer. Il y a une histoire de serpent. Il y a une histoire de serpent, et qui tue Eurydice. Enfin, bon, il y a plein d'histoires. Juste pour revenir un peu par rapport au concept d'opéra, opéra Mossette, ce sont des solistes, mais c'est surtout un chœur et une chorale, puisque l'idée, c'est quand même de mettre en avant tout le travail qui est réalisé. Voilà, ça vous avez suivi, Kenza. Ah oui, effectivement, puisque les habitants du village de Mossette, dans tout ça, ils s'y mettent quand même à plusieurs, même beaucoup d'ailleurs. Il y a beaucoup de bénévoles. Hein. Qu'est-ce qu'ils font les bénévoles? Ils font quoi? Ils font beaucoup de choses. C'est d'abord notre fameuse chorale, donc qui travaille, comme je le disais, depuis maintenant 6-7 ans, une fois par semaine ensemble. Et ça crée beaucoup de plaisir entre eux, parce que se côtoient des gens qui auraient aucune raison de se retrouver. Alors c'est vrai que Opéra Mossette, c'est Mossette, mais c'est aujourd'hui 20 communes, 20 participants de communes des alentours. Mais ils ont un rôle ou pas, les amateurs? Alors, ils ont un rôle, mais la chorale a un rôle, parce que c'est... Voilà. Forcément. Et puis, suivant les spectacles... C'est ceux qui osent aussi se mettre tout seul en avant, parce qu'il faut se mouiller. Hein, vraiment, il faut le faire. Il faut accepter faut de chanter devant 1000-1500 personnes, c'est pas facile. Hein. Effectivement, et alors là, c'est un spectacle, on va dire, version moyenne, pour ne pas dire petite cette année, mais on a eu dans la cour du château de Mossette déjà de belles surprises. Il y en aura une autre, paraît-il, en 2010, l'an prochain, une autre création grandeur nature, Roméo et Juliette, en quelques mots, mais vraiment en quelques mots pour terminer. Ça s'annonce comment, Olivier? Alors, Roméo et Juliette, ça s'annonce bien. C'est en effet ce qu'on appelle un grand spectacle. On peut pas faire un grand spectacle tous les ans parce que c'est épuisant, puisque c'est quand même principalement des bénévoles. Hein, on travaille avec des bénévoles. On est en train de finaliser d'avoir les solistes, parce que c'est le plus compliqué. Il faut qu'on, ce sont des jeunes artistes, mais il qui faut quand parfois même de Hollande et c'est très beaucoup, rapidement beaucoup bloqué beaucoup de boulot. Alors, voilà. Pour ceux qui veulent venir, en gros, aujourd'hui et demain, c'est 21h demain, je crois, à l'église à de Mossette, hein, absolument, c'est ça? Absolument, ce soir aussi. Et il y a un site internet très pratique, operamossette.eu. Olivier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. À très bientôt. Et puis, je vous embrasse, vous. Me permet, hein, bien sûr, Sébastien, quand même, hein, à bientôt. À très bientôt. Ciao.